Voilà tout le monde, ici Nagami, aujourd'hui on se bride les yeux. Voilà tout le monde, ici Nagami, aujourd'hui on se retrouve sur la démo de Sleeping Dogs. Écoutez, on m'avait conseillé ce jeu dans la mesure... Bah, c'est pour ça que c'est une démo, hein. On m'avait conseillé ce jeu dans la mesure où c'est une sorte de GTA, et moi je suis un grand fan de GTA parce que j'aime bien tirer partout, hein. Je pense que vous reconnaîtrez un petit peu là-dedans. Écoutez, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Alors, juste lire un coup. Appuyez sur X pour une attaque légère, maintenez X pour une attaque lourde. Ok, ça va, ça marche, je vais rapprocher un tout petit peu plus ce micro pour que vous m'entendez. Alors, attendez. On écoute la cinématique. Ah, c'est dommage, je les vois, elles sont en anglais. Ok, alors c'est bien ça, on commence avec des sous-titres et on finit sans sous-titres. Ouais, c'est génial, c'est génial. J'aime ce jeu déjà, ça. And then you fuck off. Fuck off. C'est tout ce que tu comprends, ça, c'est les insultes. Ça, c'est bien. Attendez, deux secondes, hein. Je reviens. Juste faire un branchement. Hop, 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 hop. Et hop là. Voilà. Excusez-moi, je suis là, de retour, pour jouer un mauvais tour. Ah, c'est pour ça aussi. C'est parce que mon casque n'était pas branché, c'est pour ça que je n'entendais rien. Mais au moins, il y a le son de la télé, c'est toujours ça. Alors, ouais, on m'a dit que ça ressemblait à une sorte de GTA, mais qui se passe en Chine ou dans un pays asiatique quelconque où ils parlent en anglais. Enfin, je sais pas, ça doit être peut-être Chinatown, on sait jamais. Hein. Bon. Alors, la mission première est d'aller par là-bas. Bon, alors, encore là, se déplacer, c'est pas trop compliqué. On donne un coup de poing. Bon, ça, c'est pas trop compliqué. Désolé, madame, j'ai pas fait exprès. Non, 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 ça fait rien, ça fait rien, ça fait rien. Ah, si, ça remet la caméra, ça. Non, non. Ok, d'accord. J'essaie de capter à peu près comment ça marche. Non, j'ai pas envie d'acheter des demoiselles. Je suis pas encore du genre à aller fréquenter ce genre d'endroit, voyons. écoutez, aujourd'hui, j'aimerais quand même vous dire un grand merci à Coach UG, hein. Ah, pour m'avoir fait passer sur la chaîne, attention. Ok, il a juste passé le fast-food dans le coin. Faites face à Ming. Ok. Un grand merci à Coach UG pour un fait passer qui a propulsé ma chaîne. À la base, je voulais faire une vidéo... Oh, excuse-moi pour ton plat de nouilles. je voulais faire passer... faire une vidéo spéciale 600 abonnés. Et pour le coup, vas-y, maintenez A pour courir. Bah je maintiens A pour courir. Oh, ça ressemble un petit peu à Heavy Rain par rapport aux interactions. Attends, appuie sur A pour le parcours, pour faire du parcours par-dessus les objets. Ok, attends, on va faire comme lui et tout. Assassin's Creed. Elle saute, wesh. Saute ma gueule, wesh. Et ouais, pour le coup, j'avais prévu une vidéo spéciale 600, mais je pense que je vais plutôt faire une vidéo spéciale 800. Et j'espère que la prochaine, ce sera un 1000. Et il y a un truc que je me suis rendu compte, c'est que... maintenant que j'ai atteint un certain public, c'est-à-dire, je me rends compte que mon nombre d'abonnés devient maintenant assez croissant et de manière entre guillemets ponctuelle, c'est-à-dire que je gagne jusqu'à 2 à 3 abonnés par jour, ce qui avant était complètement inconcevable dans la mesure où j'ai gagné 1 ou 2 abonnés, bon, je vais peut-être pas dire par semaine non plus, mais voilà quoi. C'est des petits chiffres qui font que je me concentre un petit peu. Oh là, pourquoi tu me pousses lui là? Vas-y, va-t'en. Allez, toi, je te jure, je vais te faire bouffer un M, mais violent, quoi. et j'étais en train de discuter hier avec un ami sur Skype. Et on était en train de parler des partenariats, en fait. B pour attaquer, X pour attaquer, B pour empoigner, Y pour contrer. Ok, alors je vais attaquer. Maintenez X pour une attaque violente. Ouh, ça, c'est pas mal, ça. B, c'était pour empoigner. Oh, la vache, ça fait mal. Ah putain, et appuyez sur Y quand les trucs sont rouges. Ok. Attends, j'aime bien le. Oh, j'aime bien le système de coups, en tout cas, je le trouve vachement bien foutu. Bon, par contre, ce serait bien que je réussisse à en buter un ou deux. Mais j'appuie sur Y là. Oui, bon, on va pas dire, c'est pas un Assassin's Creed like. Et je me rendais compte que bientôt. Je pourrais enfin faire enfin ça dépend du network que je choisirais, mais je pourrais peut-être bientôt me permettre d'être partenaire YouTube. Et ça franchement c'est un truc incroyable. Et j'arrive pas à m'en rendre compte quoi, c'est un truc qui fait dont je rêve depuis tellement longtemps et je suis vraiment
pas loin de pouvoir concrétiser. Bon, je vais pas dire ce rêve non plus, mais de pouvoir concrétiser ce projet et bah c'est juste excitant quoi. Ah, vas-y, tiens, je te prends et je te fous dans la benne d'ordure. Cortex 91, non je déconne. J'ai et donc voilà quoi. Grand merci à vous les amis, c'est juste unbelievable. Continuez à rejoindre, continuez à faire parler de moi, continuez à faire à me laisser vos commentaires et tout. Je tâcherai d'y répondre et ça me fait plaisir de profiter de cette proximité avec vous et de surtout voir que mes vidéos vous plaisent. Voilà, je suis en train de dire plein de choses qui n'ont pas de sens, mais c'est pas grave. Et comment on fait pour se défendre? Ce serait pas mal là parce que j'ai plus beaucoup de vie en fait. Aïe. Non mais je m'en fous, moi je vais pas vous parler. Ah, casse-toi. Et comment on fait pour récupérer de la vie? Comment on fait pour se défendre? Wow, what the fuck, ninja. Ok, je suis mort, j'ai pas capté pourquoi, c'est pas grave, mission ratée, Ming s'est enfui, mince alors. C'est... Ming alors. Ok, d'accord, c'était totalement pourri. Écoutez, pour l'instant ce jeu il m'a l'air vachement sympa dans la mesure où c'est... c'est déjà un jeu où on joue un petit peu commandé avec des radiatiques, hein. On tape un petit peu partout, on fouille des patates dans ta gueule, tu vois, tu le faire manger en rouleau printemps. Oh. Bon, je sais pas si ça va être une bonne idée, je sais pas si ça va vous casser les pieds, mais genre littéralement. Mais je pense que pour le reste de la vidéo, je vais me mettre à parler comme ça, histoire de me mettre un petit peu dans le truc, hein. Hein, tu vois, hein. T'es en train de te bouffer des nems, t'as vu, height. Ah, oh, un coup dans le téticule. Tu vas manger des boules laquais. Allez, hop, attends, je vais le faire bouffer le ventilateur. Aïe. What the fuck, oh. Bon, pourquoi t'as un couteau, toi, hein. Oh, patate, vas-y, coup du dragon. Vas-y, saute par-dessus là. Ah, le bidet, tiens. Bon, je vous avouerai que pour l'instant, mes premières impressions sur vous, c'est un excellent défouloir. C'est un putain de méga gros défouloir de la mort. Eh, mais ça va, sinon tu meurs pas là. Aïe. Eh, vas-y, j'appuie sur Y là. Oh, tiens, crève. Ennemi à terre. Tiens, il est où le bas? Il est où le problème? Va te faire foutre, mec. Ouh, patate. Il y a des jours où je comprends l'anglais, mais avec l'accent asiatique, ça fait un petit peu bizarre. Eh, déconnez pas, les gens. Je suis un gentil, moi. Oh. Bon. Pour le moment, c'est un petit peu bizarre. Je capte pas réellement ma vie. You have quite a rap sheet here. Multiple arrests in San Francisco, alleged ties to organized crime. Beaucoup d'arrêts à San Francisco, des trucs. Et maintenant, tu es ici pour avoir buté un chauve. Bon, sinon on peut pas. C'est pas que j'ai quelque chose contre les cinématiques, mais si c'est pas sous-titré, ça va être un petit peu galère autant pour vous que pour moi. Oh là là, oh my god. J'en profite pendant cette vidéo. Si jamais vous avez une question à me poser, je vous invite déjà à me rejoindre sur Twitter, c'est le meilleur moyen de me suivre qui est dans la description. Ou même sur Facebook, je pense que j'ouvrirai. Non, pas. Je ferai une vidéo spéciale foire à questions. Sur laquelle je ferai quelques annonces, mais pour l'instant c'est pas le problème. Là on reste stylé son Nokia. Ok, non, d'accord, on s'en fout, c'est pas très grave, on passe à la suite directe. Bon, ouais, si jamais ça vous intéresse de poser une question, je n'hésiterai pas à ouvrir une sorte de fac ou un truc comme ça. Et franchement, depuis il y a pas longtemps, j'ai reçu plein de vidéos, plein de commentaires, de messages, etc. Qui viennent des quatre coins de la France. Hein. Y en a un qui m'a envoyé un message d'Alsace. Éliminer les gardes ennemis. Ah, parce que c'est des méchants eux, ok. Bah vas-y, tranquille et tout, quand tu te mets en mode Brooklyn Ninja. Aïe. Attends, mais vas-y, j'appuie sur triangle. Y. J'ai jamais joué à une PS3. Enfin, j'ai jamais joué à une PS3. Je touche à la PS3 une fois tous les 42 du mois. Et pourtant, j'arrive à sortir le mot triangle quand même. Ouf. Peut-être parce que j'avais une PlayStation 1 quand j'étais jeune. Et ouais, donc j'avais reçu plein de messages.
patate dans ta face. Mine de rien, c'est franchement c'est con hein. Niveau prise en main, ça se fait tout seul. Mais je sais pas, j'ai besoin de me concentrer quand même pour foutre des patates, histoire de bien savourer chaque coup que je donne. Allez hop, 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 double kill. Ah, je vais mourir. J'arrive plus à dire, je vais mourir. Des messages qui viennent des quatre coins de la France, d'Alsace, du Sud, bon pas mal de Paris certes, mais ce qui m'a surtout le plus touché, c'est d'apprendre qu'il y avait... J'étais mort déjà. Ce qui m'a le plus touché... Oh, je suis mort. C'est d'apprendre qu'il y avait quelqu'un qui regardait mes vidéos, mais du Maroc. Alors excuse-moi, je me souviens plus du tout de ton nom, mais quand j'ai lu qu'il y avait des gens qui regardaient... Bah outre le territoire, la France métropolitaine quoi, la France telle que nous la connaissons, pas les dom-tom etc, bah ça m'a fait super plaisir quoi, je me dis j'arrive à atteindre du public marocain, nom de Dieu. Peut-être qu'après les gens qui regarderont cette vidéo s'identifieront non je parle des Chinois et en fait j'essaye de sortir une blague mais j'arrive pas, donc on va arrêter de faire blablater pour rien. Ah putain. Avant tout, c'est une vidéo découverte, donc je dois donner au maximum mes impressions. Ouh, c'est stylé le slow motion. C'est super stylé le slow motion. Allez, on explore l'usine. Patate. Non, d'accord. Vas-y, on ouvre la porte. Pousse caca. Évitez d'empoigner et privilégier les attaques lourdes. D'accord, ok. Patate, attaque lourde. Oh. Ah, ça fait quoi si je maintenais B? Oh, les gars. Eh, les gars, moi, je déconne. Faut pas déconner avec moi, hein. Oh. J'ai plus beaucoup de vie en plus. Attends. Par contre, je vous avouerai que niveau prix... Oh putain, c'est bon, j'en ai marre. Oh, je vous jure, ça me sort pas les trous de fesses. Ah, allez, on va recommencer. Oh non, vous êtes sérieux, faut recommencer tout ça. Oh tiens, toi t'as rien fait, mais j'ai envie de te taper quand même. Patate, tiens. Viens, bouffe le sol, smackdown. Vas-y, hop là. Ah, oh, oh. Ah, si je reste appuyé sur lui, je peux faire un truc stylé. Oh. Ah, parce que je peux le rechoper en plus. Ok, d'accord. Allez, toi, tu viens. C'est rouge. Bon, fais B. Oh oui. Oh oui, je te chope par les côtes. Oh. Ouh, c'était du carton de verre recyclable. Oh, vas-y, cours. Allez, hop. Au suivant, à qui le tour? Batista. Patate, et je finis sur un gros coup. Je me demande s'il n'y a pas une histoire d'enchaînement, c'est-à-dire on fout quelques coups légers, 1, 2, 3, et après on finit par un truc lourd. 1, 2, 3, et après on reste appuyé sur le bouton. Bon, je sais pas si le combo il est normal, mais enfin bon, ça risque d'être assez sympa. Ah, allez hop! Pousse caca! Allez, on pousse ça. Alors, il y a une jauge jaune, je sais pas ce que c'est. Une jauge asiatique? Allez, boum, qu'est-ce que t'as de ça? Ah, ça fait mal, hein, contre les deux oreilles, hein. Tiens, allez hop, deux claques dans ta gueule, histoire que tu comprennes bien, t'as mal. Tiens, bam, 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 bili, bili, bam, boum. Il y a trop de gens qui... Oh, médaille de bronze, votre score est de 25. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de médaille? Ouh, ça, par contre, ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce qu'on peut interagir avec le décor un petit peu à la Dead Rising? Prendre un... Ouais, bon, d'accord, c'est nul. Ah, on peut pas les imiter aussi un petit peu comme tu... En fait, je vais commencer à critiquer le jeu en faisant des références à tous les types de jeux. On peut pas être discret comme Splinter Cell avec un trombone et une ficelle. Tu peux me faire un hélicoptère? Est-ce que on peut utiliser plusieurs personnages comme Super Smash Bros? Et Mario, il va venir nous donner des pièces pendant un champignon, on pourra balancer des boules de feu. Oh, ça c'est un truc à faire. Oh, ça c'est un truc à faire. Non. Mais non, mais c'est pas vrai. Par contre, c'est vrai que au niveau de des limitations de vie, ça risque d'être un petit peu galère. Bon, écoutez, je vais faire un avance rapide jusqu'à l'endroit où je suis mort parce que sinon ça va être vraiment galère. Aïe. Allez. Poulet. Allez. Hein? Vous le faire rouler? BAM! Allez, je vais te craser. Vas-y, hop. What the fuck is this? C'est moi, c'est ma gamine. Qu'est-ce que t'as? Hein? Tiens, boum, le mur. BAM! Allez, hop. Oh, je pense que c'est un problème.
Allez, bon, après 3 petits trèfles, bon. Celui de celui-là. Allez, ouh, ça chie, les trucs. C'est violent comme jeu, en fait. C'est hyper violent comme jeu. Ça, mais avec une défouloir, on peut pas faire mieux. Bon, maintenant qu'on y est. Alors, ça, j'ai vu le four direct. Ah, ah, dur. Ah, putain, dur. Ah, c'est pas un extincteur, ça? Oh, ça, c'est beau, ça. Bon, ça, c'est beau. Sur quoi on peut te projeter, toi? Bah, allez, hop, on va dans le four. Hein. Ah, quand on chope quelqu'un, on peut même courir avec? Attends, est-ce qu'on peut courir et plaquer quelqu'un? Oh, oui, ça, c'est bon, ça. Ah, oui, RB, prendre le couteau. RB, je prends le couteau, je prends le couteau, je prends le couteau. Haha. Ouh, 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 ça c'est bien ça. Ouh, en plus de prendre pour un gars hyper puissant avec tes points et tout, méga baraque chinois, tu peux même te la jouer ninja, samouraï, yakuza, faiseur de sushi en fait, tu vois. Oh, on peut même le jeter, mais c'est excellent comme truc. Saut désarmant, sauter sur un ennemi depuis un abri pour le désarmer. Ok, alors déjà faudrait savoir comment. Ta-ta-ta-ta. Boum, allez hop, qu'est-ce que tu dis ça, bitch? LT, viser, ok. Recharge avec B, Y, viser, tirer. C'est avec quoi qu'on recharge? Ok, d'accord. Un petit peu comme Halo en fait. Oh, il y avait une position pose caca bizarre là. Ah, c'est ça. Mais en fait, c'est quoi? On m'explique. Ah, d'accord, ok, c'est pour se planquer ici. Ok, on pousse tout ça, on court, on court, on court. Cinématique. Bon. Ah, tu sais où badat, mon foucle. Est-ce qu'il y a la pousseuse là? Je vous avouerai que je ne sais pas trop. Mais faudrait qu'on m'explique un jour c'est quoi ça. Oh! No scope! Allez hop, qu'est-ce que tu dis de ça maintenant? Fais péter tes balles. Oh, il faut se cacher! Nom de Dieu! Nom d'un M! Vas-y, recharge, gars! Hop, cache-toi! Allez, boum! Oh, ça c'est excellent! Pouvoir intérieur, plus ou moins avec le décor, ça c'est bon! Ah là, par contre, on dirait vraiment un flic à Shanghai! Hein. Ah, parce qu'en même temps, aussi, tu peux brûler! Hein. Tu vas finir comme un canard laqué! Cache-toi, gars, cache-toi. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Un vrai flic, en fait. J'aimerais bien savoir si ce mec-là, c'est un flic, si c'est un tueur à gages bizarre. Oh, maintenez LT pour passer en ralenti. Oh, ça, c'était absolument classe. Moins 5 de maladresse, c'est pas grave. Bon, je suppose que les icônes qui ressemblent un petit peu à... Comment dire, à des boucliers, ça ressemble un petit peu à une étoile de police. Donc peut-être que c'est... Peut-être que c'est, je sais pas, ça montre qu'il est flic. Par contre, niveau visée, c'est pas super. Enfin, niveau précision, c'est pas vraiment super top. Hein. Allez, trouvez. Mais non! Bon. Allez, gars, vas-y, cours. Est-ce que tu peux recharger? Attends. Est-ce que tu peux recharger en courant? Oh, c'est bien ça. Le mec, il est polyvalent et tout. Mais je le veux, moi. Je le veux comme copain. Copain forever. Tangai! Ok. Fuck. Oh, un petit chinois dans un carton. You're coming with me. Toi, tu viens avec moi. Pas te faire foutre. Je veux pas voir ta gueule. Sérieux, le mec il s'est suicidé? Ah non, même pas. Vas-y, hop, on est de ouf. Allez, vas-y, cours. Cours, petit flic. C'est un flic à Shanghai. J'ai jamais regardé cette émission, si quelqu'un pouvait me la résumer. Et au fait, je vous avouerai que je songe grandement à l'acheter dans la mesure où c'est vraiment un défouloir et que c'est pas le genre de jeu que j'ai beaucoup chez moi. Et si vous avez des conseils sur comment jouer, si vous pouvez me conseiller ce jeu pour d'autres raisons, si ce n'est le côté un petit peu je tape sur tout le monde, je vous avouerai que je ne dirais pas non. Comment il a atterri là-bas, lui? Ah ouais, d'accord, il est passé par-dessus et tout, c'est ouf. Allez hop, t'es fatigué, hein.
Oh, c'est bon, ça, c'est comme Gears of War. Allez, viens. Viens là, je te tire par les oreilles. Comme à l'ancienne école. Allez hop, bougez, on s'en fout. Ah merde, le bouclier. Ah. Eh, hey, d'où viens-tu? Eh, hey, frappe pas où je vais, toi. Eh, hey, gars, on a sauté une barre de vie. Non. Ah non, la mission du dragon mort est morte. C'est fini. Je ne peux plus, ça y est. Je vais t'attraper sur une voie. Si tu vois pas ce que je veux dire, je vais t'attraper. Ok, c'était un jeu de merde. Un jeu de mots pourris, pardon. Je compte pas faire une vidéo super longue. Hein. J'essaie... Ah, allez. Cours, bébé, cours. Oui, bah, hein, maladresse, je suis désolé si je veux le rattraper à temps. Allez hop, boum. Passe par-dessus, PGM, t'as vu, height. Traîner sur vous. Bon, cette fois, on va se la jouer vrai flic, on va pas se la jouer ouf. Sumo. Vas-y, empoigné. Voilà. Ceci étant fait, allez, cours maintenant. Eh, on me dit pas des gros mots comme ça. Là. Putain, cherche pas les deux merdes, toi. Qu'est-ce que je fais? Bah, à ton avis, what are you doing? Attention, on va tester la visée automatique. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous devez le ramener en un seul morceau. Bah, écoute, Coco, je suis désolé. Hein. Si le mec il tire sur toi alors que normalement t'es censé être hein, protégé, hein? Vas-y, cours, petit chinois, cours, vite. Ah, mais dis pas que la démo est déjà terminée. Ah non, ce serait dur. Ah, en effet, oui, c'est quelqu'un de la police, mais c'est aussi quelqu'un de la triade. Ah, ok, on a une jauge bleue pour la police et jauge rouge pour la triade, c'est un petit peu bon et mauvais. Ah, bah c'est déjà fini. I just wanna pull the fucking trigger, baby. Bling bling, aïe, t'as vu. Bon, écoutez les gens, apparemment vu que ça a l'air d'être la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aime beaucoup faire des face commentary étant donné que... Enfin, j'apprécie faire des face commentary étant donné que vous avez l'air d'apprécier ça. Ouh, alors on découvre le mode cinématique. Ah mon dieu, c'est horrible, comment j'ai trop mal pour eux. Oh. Ah, par contre, ce serait bien qu'on puisse conduire un véhicule. Oh, putain, rien que pour ça, ça c'est un des trucs qui ont fait un petit peu les charmes de GTA pour moi aussi. C'est la conduite de véhicule un petit peu partout pour pouvoir tirer sur tout le monde. Bon, sur cette intro, sur cette outro plutôt, je vais dire tout ce que j'ai à dire. La vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de laisser un commentaire sur la vidéo, sur ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, il y aura mon Facebook et mon Twitter dans la description, bien évidemment, comme d'habitude. Mon Facebook qui me sert à poster tout d'abord mes vidéos pour les questions, les sondages, etc. Mon Twitter pour me suivre H24, étant donné que je dis plein de bêtises. Et sur ce, les gens, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Juste dernier point, pour ceux qui sont tout fraîchement arrivés, je ne peux pas faire de vidéos aussi fréquemment, aussi souvent que je ne le voudrais si on veut. Je peux en faire des vidéos que de tous les 3-4 jours environ. Donc à chaque fois, faut patienter, mais sachez qu'à chaque fois que j'en fais une, c'est toujours avec le même amour, toujours la même envie. Et c'est pourquoi je ne vous oublierai jamais. Oh. Nakami, future and the popstar, ouais. Ouais, faudrait un jour que je songe à faire quelque chose de stylé. Allez, salut les gens, à la prochaine. Mangez des nems. Bruitage de merde.